Tout d'abord, vous allez commencer par brosser votre chien. Ensuite, vous allez devoir mouiller votre chien, donc avec une eau ni trop chaude ni trop froide, une eau qui vous convient à vous. Ensuite, vous allez devoir shampooiner votre chien. Donc moi, mon shampoing est un shampoing spécial poil blanc. Donc comme vous pouvez le voir, il est bleu, mais ne vous inquiétez pas, mon chien ne va pas devenir un schtroumpf. Voilà, donc je vous conseille d'en appliquer sur tout la longueur du dos de votre chien. Voilà, histoire de bien le répartir. Et d'ensuite, bien masser, bien shampooiner le corps de votre chien. Je vous conseille de ne pas trop laver la tête de votre chien, tout simplement parce que si vous avez un chien qui bouge pas mal, vous risqueriez de lui mettre du savon dans les yeux et pour lui c'est pas top, donc voilà, donc je vous conseille d'éviter de trop lui laver la tête. Une fois que votre chien est bien shampooiné, vous allez devoir le rincer, donc surtout n'hésitez pas à bien le rincer avec beaucoup d'eau, voilà, pour éviter qu'il y ait du savon qui reste entre les poils, voilà, ce qui pourrait causer une irritation ou pire. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à bien le rincer. Ensuite, petite astuce, pour éviter que votre chien mette plein d'eau partout dans la salle de bain, moi je lui essore les pattes, voilà, parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'eau qui reste, donc voilà. Donc après je prends une grande serviette et je sèche bien mon chien dans la baignoire, voilà, pour éviter qu'il mette également de l'eau partout, donc voilà, donc je le sèche bien dans la baignoire et après je le sors. Ensuite, ma chienne étant assez fragile niveau santé, je la sèche avec un sèche-cheveux, mais c'est pas du tout une étape obligatoire. Voilà, c'est une étape facultative que vous n'êtes pas obligé de réaliser. Voilà, si vous avez envie que votre chien sèche naturellement, bah vous le mettez dehors, il séchera tout aussi bien.